Vincent, vous ne comprenez pas la nouvelle photo d'Emmanuel Macron en train de boxer en noir et blanc. Ah oui, une nouvelle photo de Macron en train de boxer, prise par sa photographe officielle, Soizic de la Moissonnière, photographe officielle de Louis XIV et Louis XVI aussi. Oh et non, mais c'est vrai que sur cette photo, on voit quand même qu'Emmanuel Macron a un autre talent qu'on ne connaissait pas. Photoshop, voilà. Quand tu regardes son biceps, il est quand même plus gros que François Hollande, il va falloir arrêter les conneries. C'est n'importe quoi. Après, au moins, ça a inspiré Joe Biden, qui a posté une photo où il arrive à sauver de sa chaise. Et pour ça, bien joué, Joe. Bien joué. Est-ce que vous trouvez que cette photo le met à son avantage? Il a quand même l'air un peu tendu sur la photo. Et en vrai, ça peut se comprendre. Il est en train de boxer. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Ah oui. Non, mais parce que là, il y avait les caméras. Mais normalement, il y a un gilet jaune sur le punching ball ou une photo d'Edouard Philippe. Non, c'est différent. Après, je pense que Macron s'est trompé. Je pense qu'il voulait envoyer la photo directement à Vladimir Poutine. Je suis plus fort que toi, Vladimir. J'arrive. Après, la photo a dû faire frémir Brigitte, mais pas que. Ah oui. On a un président qui est beau. Voilà, il est beau, quoi. Enfin, c'est un bel homme. Il a des qualités physiques indéniables. Moi, je trouve ça beau. Et ben alors, Fred, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est que cette déclaration d'amour à Manu, là? Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a pris cette photo? Pour préparer le combat contre Rachida Dati.